Et on poursuit en musique avec l'artiste J.C. Travis, ambassadeur de la musique traditionnelle, de boléro, de mazurka, de zouk, mais aussi chanteur de variété. Philippe Poligny et Valérie Louisabeth l'ont rencontré avec ses danseurs. Il est en plein préparatif du spectacle qui marquera ses 15 ans de carrière. Sur le parquet, les pas s'enchaînent en cadence. Tout doit être prêt pour le spectacle qui célébrera les 15 ans de carrière de J.C. Travis. En fait, j'ai fait appel au ballet Tiffermas des Trois Îlets. Donc, j'ai choisi 4 danseurs de cette troupe, de jeunes danseurs qui m'accompagnent. Donc, je réalise toutes les chorégraphies pour qu'ils m'accompagnent lors de mes spectacles. Donc, on a déjà fait 2 spectacles ensemble pour marquer mes 12 ans de carrière. Ça, c'était avant la pandémie. Et là, on prépare mes 15 ans de carrière ensemble. Et si la musique traditionnelle avait trouvé son digne héritier ? Ces dernières années, c'est sur la diversité de son répertoire que l'artiste a misé pour exprimer la palette de ses émotions. J'ai choisi de faire un répertoire varié parce qu'en fait, chacune des chansons reflète une partie de mon identité, de ma personnalité. Donc, tantôt, je peux chanter du boléro, des grandes ballades de chansons françaises, du zouk, mais aussi du compas, du troubadour. Vraiment un répertoire éclectique. Je ne me contente pas uniquement à un style de musique. C'est pour cela que je tiens bien à préciser que je suis un chanteur de variété. Pour JC, ce spectacle, c'est avant tout l'occasion de présenter au public Mes Racines et Mes Ailes, son nouveau double album. L'artiste prolifique en est fier, son art séduit toutes les tranches d'âge. J'ai un public en fait éclectique qui vient me voir, donc c'est familial, ça part de 4 ans jusqu'à 97 ans. Et voilà, ça dure depuis 15 ans et ma carrière est le reflet d'une phrase de Jeanne Monnat dans l'une de ses chansons. Ça qui savent ça, ça qui pas savent pas ça. Donc je suis à la fois discret et présent. En attendant le jour J, ses fans ont de quoi patienter. J.C. Travis a déjà sorti ce qu'il décrit comme un pur zouk. Tu ne le vois même pas.